objet nombre SCP-24. Jeu télévisé de la mort. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. De par sa nature, SCP-24 ne peut pas être déplacé dans un endroit sûr. Aussi, les mesures de sécurité doivent-elles être appliquées sur place. Pour dissimuler son emplacement exact, SCP-24 sera entouré en permanence d'au moins 5 répliques identiques. Un périmètre de sécurité renforcé doit être maintenu en permanence sur le terrain de SCP-24, avec différentes équipes gardant SCP-24 et ses répliques. Aucune équipe de sécurité, leur leader excepté, ne sera informée de l'emplacement de SCP-24. SCP-24 doit être sécurisé à l'aide de portes anti-explosion scellées magnétiquement et des murs renforcés et blindés pour empêcher les intrusions. Il n'est en aucun cas permis au personnel de sécurité ou de recherche de pénétrer dans SCP-24, seul le personnel de classe D est autorisé à entrer, à des fins de recherche uniquement. Tous les chercheurs doivent observer et mener leurs expériences sur SCP-24 à partir d'un laboratoire d'observation à part. Tout membre du personnel essayant de quitter le laboratoire d'observation ou d'entrer dans SCP-24 sans autorisation préalable d'un chercheur de niveau 4 doit être immédiatement mis aux arrêts et l'élimination étant autorisée. En cas de rupture de confinement, ou si la véritable nature de SCP-24 est découverte, alors toute la zone doit être détruite à l'aide des charges de démolition spécialement conçues à cet effet implantées sur toute la surface du terrain. Description: SCP-24 est une scène de concert abandonnée ayant appartenu à. Cependant, SCP-24 était déjà à l'état d'abandon depuis 19, et la date d'apparition de ses propriétés uniques, avant ou après l'abandon, est inconnue. SCP-24 est situé au cœur de, et a été repéré pour la première fois lorsqu'un groupe de jeunes adolescents est entré par effraction sur le terrain à l'abandon. Le témoignage du seul vainqueur lorsqu'elle se rendit à la police suffit à mobiliser les ressources de la Fondation pour le confinement de SCP-24. En entrant dans SCP-24, les visiteurs sont automatiquement accueillis par un speaker anonyme communiquant par interphone et capable d'entendre et de comprendre les voix des gens à l'intérieur de SCP-24. Le speaker informera les concurrents qu'ils sont sur le point de participer à un jeu télévisé dans lequel les vainqueurs gagneront un formidable prix, mais les avertira également que le jeu sera extrêmement dangereux et que les perdants ne pourront jamais quitter SCP-24. C'est à ce moment que le speaker choisit de proposer de rester ou de quitter SCP-24. Les concurrents qui acceptent pourront avancer tandis que les autres seront immédiatement jetés hors de SCP-24. Les concurrents qui gagnent le jeu ou déclinent la proposition ne pourront jamais revenir dans SCP-24, et l'entrée étant refusée par une barrière invisible et impénétrable. C'est après cela que les concurrents sont introduits dans le jeu en lui-même. Le style, la composition et l'apparence du jeu changent à chaque nouvelle partie, mais le jeu reste centré autour d'une longue course des obstacles dans laquelle les concurrents devront s'orienter. Les règles varient également. Certaines parties n'admettront qu'un seul vainqueur, tandis que d'autres encourageront la création des équipes pour gagner le jeu. Plus que régulièrement, les obstacles observés dans ces courses passent d'incroyablement faciles à une difficulté extrême et potentiellement mortelle. Pendant que les concurrents tentent d'achever la course, le speaker mettra constamment leur statut à jour et participera activement au bon déroulement du jeu, donnant parfois des conseils, conversant avec les concurrents et rajoutant des règles. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les obstacles deviendront de plus en plus dangereux et difficiles à vaincre, et il n'est pas rare qu'un groupe entier de participants succombe à la rigueur de la course. Si un tel événement se produit, le speaker exprimera sa tristesse devant le manque de vainqueurs et SCP-24 fermera ses portes, ne redémarrant que lorsqu'arrive un nouveau groupe de concurrents. Toute tentative de désobéir aux règles, comme s'attaquer à des autres concurrents ou passer délibérément à côté d'un obstacle, se traduira par une extrême violence. Le speaker interpellera le candidat responsable, qui sera rapidement et brutalement jeté hors de la course par les gardiens du studio. Une fois invoqué par le speaker, ses gardiens se matérialiseront immédiatement dans SCP-24 et disparaîtront s'ils ne sont plus nécessaires. Le concurrent restera à jamais introuvable. Quand un vainqueur est déclaré, elle reçoit un grand prix distribué de façon aléatoire. Tous les concurrents qui ont survécu mais ont échoué à remporter la course seront déclarés perdants par le speaker.
les lumières s'éteindront et le vainqueur réapparaîtra automatiquement à l'extérieur de SCP-24 avec son prix tandis que les perdants disparaîtront définitivement. Cependant, et l'aspect le plus étrange de SCP-24 reste qu'après chaque partie, une cassette VHS ou un DVD apparaissent dans une boîte aux lettres devant et l'entrée principale de SCP-24. Cet enregistrement est une version complète du jeu qui vient de se dérouler, même si les vainqueurs ont toujours déclaré n'avoir jamais vu de caméra ou des appareils d'enregistrement à l'intérieur de SCP-24. Encore plus étrange, hein ? Public peut être vu en direct installé en arrière-plan applaudissant les concurrents. De même, les vainqueurs ont déclaré n'avoir vu aucun public durant le temps passé dans SCP-24. Ad Indomain, jusqu'ici, la liste des prix remportés par les vainqueurs inclut, mais ne se limite pas, à, de et l'argent liquide, des appareils électroniques, divers biens de consommation, des voitures, des objets de collection, des vacances, tous frais payés vers différentes destinations, données effacées, un examen minutieux de ces prix a confirmé qu'ils étaient parfaitement authentiques et ne possédaient pas de propriété ou caractéristiques inhabituelles. Il ne semble y avoir aucun schéma typique concernant la nature des prix distribués. Addendum 2, lors d'une tentative de découvrir où étaient emportés les perdants, un traceur GPS fut implanté sur les sujets des 124 à des 135 quand le groupe des 245 a été envoyé dans SCP-24, au moment où les perdants étaient évincés du jeu, les signaux provenant des GPS ont été perdus. Il est pour le moment impossible de dire si les traceurs ont été détruits ou si les perdants ont été emportés dans une zone hors de portée. Addendum 3, le speaker habitant à l'intérieur de SCP-24 semble doué de conscience et pleinement informé des événements se déroulant à l'extérieur de la propriété. Pendant le test du groupe des 523, constitué seulement du DR, le speaker a engagé une conversation avec le docteur à la place. Une analyse de la discussion a montré que la plupart des sujets abordés tournaient autour de la pop culture et des informations distribuées via la télévision, impliquant que SCP-24 est capable d'une façon ou d'une autre de recevoir et interpréter les signaux de télévision. Couper le courant et les réseaux, de même que déplacer les potentiels récepteurs sans fil de SCP-24 ne l'affecte en aucune manière. Quand il est devenu clair qu'aucun autre concurrent ne participerait, le speaker demanda aimablement au DR de quitter SCP-24 et de revenir avec davantage de concurrents. Addendum 4, et l'apparence des gardiens du studio que le speaker utilise pour assurer le respect des règles change à chaque partie, de la même façon que la course. Et s'ils apparaissent, les gardiens seront toujours habillés d'une manière qui correspond au thème de la course des obstacles. Les seules caractéristiques qu'ils partagent sont leur forme humanoïde, leur capacité à apparaître et disparaître, une force surhumaine et un masque ou une capuche dissimulant leur visage. Cependant, les vainqueurs ont déclaré que les gardiens n'avaient pas de forme définie au sein de SCP-24, mais qu'ils apparaissaient à la place comme des silhouettes sombres enveloppant le contrevenant.